Il souhaite se rassurer et voir si son public est toujours au rendez-vous. Gaëtan Roussel fait son grand retour en solo avec son album Trafic, sorti fin 2018. Dis-moi encore que tu m'aimes. Les amours, des questions me reviennent. As-tu retrouvé les tiennes? Et si l'on rejoue à toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Trafic, pour moi, c'est, si on fait court, c'est un petit peu l'inverse de l'embargo. Donc, c'est le mouvement pour moi. Donc, trafic, c'est pas que négatif. Puis voilà, puis après, on peut s'amuser avec. Il y a eu beaucoup de trafic sur l'album que j'ai fait. Trafic aérien, parce que je suis allé à droite, à gauche le faire. Trafic de son, j'ai travaillé avec plein de gens. Trafic de mots, voilà. Donc, j'aimais bien cette idée de trafic, de densité et de mouvement. C'est juste l'histoire de l'un d'entre nous, comme un Je pense que la musique, elle s'écoute, mais elle rentre par le ventre, par les vibrations, elle passe par les pieds aussi. Voilà, tout notre corps, il peut recevoir la musique. Donc j'ai essayé de jouer là-dessus. C'est sa 7e fois au Printemps de Bourges, seul ou avec Louise Attaque, son premier amour, intarissable. C'est ma colonne vertébrale. Donc c'était agréable de se retrouver, ça faisait 10 ans qu'on n'avait rien fait, on avait envie de jouer ensemble, on a fait le point, ça nous a changé en particulier l'architecture du groupe, on était 4, on n'est plus que 3. Et une fois qu'on a fait un petit peu ce point-là, on s'est mis à faire un album. Je crois que c'était important de donner une photo de nous actualisée. Véritable trafiquant de mots et trafiquant d'âmes, ce nouvel album contient des textes plutôt sombres, mais son énergie sur scène, elle, ravit toujours autant son public.